améliorer les conditions économiques des femmes et des jeunes à travers la transformation, la conservation et la commercialisation des produits maraîchers à grande valeur nutritive et à fort potentiel commercial, la Croix-Rouge, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Insertion et stabilisation socio-économique des jeunes et des femmes dans la province du Sénot, a accompagné 30 unités de séchage en vue de contribuer durablement à la conservation et à la transformation des produits maraîchers. La région du Sahel est une zone connue pour sa précarité agroclimatique et ses déficits structuraux et conjoncturels répétitifs. La technique de séchage solaire reste le meilleur moyen de valorisation des produits de maraîchage et céréales à forte valeur énergétique. Axe 1. Commune de Falangoutou, Dori et Sitenga, 30 femmes travaillant sur des sites de production maraîchère ont été identifiées et dotées en matériel de séchage. Cet appui en équipement permettra aux 30 bénéficiaires directs de renforcer leur capacité de transformation, de conservation et de commercialisation des produits agricoles locaux, mais également d'améliorer substantiellement leurs revenus. Je fais le jardinage. Je sème de la tomate, du concombre, de la salade et des choux. Je produis tous ces légumes. Avant, je n'arrivais pas à tout vendre. Le reste pourrissait et je devais toujours les jeter. Depuis que j'ai ce séchoir, je découpe les produits qui n'ont pas été achetés et je les mets à sécher. Les légumes que j'ai actuellement, c'est depuis la saison froide que je les ai conservés. J'ai présentement de l'oignon, de la tomate, du chou. C'est grâce à ce séchoir que j'arrive à conserver les légumes depuis la période du froid jusqu'à maintenant. Nous sollicitons toujours de l'aide pour notre maraîchage car nous avons un problème d'eau. Après le froid, notre travail s'arrête. Si nous recevons de l'aide, nous allons encore mieux améliorer nos connaissances sur le séchage. La Croix-Rouge nous a apporté du matériel qui nous permet de sécher tous nos légumes. Nous l'avons effectivement utilisé et nous en avons tiré profit. Le séchoir est vraiment bénéfique. Présentement, nous avons arrêté de l'utiliser à cause des travaux champêtres. En hivernage, nous arrêtons le maraîchage au profit des cultures de céréales. C'est pourquoi vous n'avez pas trouvé beaucoup de légumes séchés. Nous avons vraiment vu les avantages des séchoirs. Nous avons eu beaucoup de bénéfices. Nous sollicitons toujours tout ce que vous pouvez nous apporter comme aide pour améliorer notre activité. Financé par le Fonds fiduciaire FFU de l'Union européenne, le projet Insertion et stabilisation socio-économique des jeunes et femmes dans la province du Sénot est mis en œuvre par l'Agence italienne pour la coopération au développement, AICS.